il n'a pas eu le temps de prendre la douche, il a le maillot encore. Là. J'ai repris la course, c'est vrai. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans le club 1906, bienvenue dans le club déconfiné. Hier soir, on avait Jonas Martin, joueur du Stade Rennais, en invité, et ce soir, on a un monument au Racing Club de Strasbourg. Avant ça, avant la présentation de l'invité du jour, petit tour d'équipe avec Sébastien Jung. Salut Seb. Salut Joe, bonsoir tout le monde. Tu vas bien ? Ça va très bien. Ouais. T'as aligné un petit peu là avec ces beaux jours ou... Non, ça va, les gens respectent de plus en plus, donc on va dire que c'est bon signe. Très bien, on continue avec Julien Conrad. Ouais. Julien Conrad, salut. Salut tout le monde. Tu vas bien ? Ça va, ça va. On est un peu bronzé aujourd'hui. Encore, hein, comme d'habitude. Il n'y a que ça à faire, quoi. C'est vrai. Malheureusement. Il signe son retour, il n'était pas là hier. C'est monsieur Jacky Duguay-Perrault. Bonsoir, Jacky. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à Marine, bonsoir à Stéphane. Ça va bien, ça, merci. Vous avez récupéré Oui, bah, récupéré. De... Vous avez pris des couleurs, en tout cas. Oui, bah je profite pour faire des choses que j'ai le temps de faire d'habitude et que je ne fais pas. C'est vrai. Elle vient nous rejoindre un peu à la bourre. Elle a dû se préparer dernière minute, comme d'habitude, avec sa séance de sport. Marine Le Marquis, salut Marine. Hello tout le monde, hello toute l'équipe et bonjour Stéphane. Tu vas bonsoir. Bien, ouais, ça va très bien. On a déjà des beaux commentaires et je pense qu'il y aura... Il y aura beaucoup de questions ce soir pour toi, Stéphane. On va essayer d'y répondre. Du mieux possible. C'est fait. Stéphane Cassard, joueur, ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, arrivé en 2004, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2005. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous et à toutes. Comment vas-tu dans cette période si particulière, comme on a l'habitude de poser comme question ? Oui, c'est vrai que malheureusement, c'est une question qui revient beaucoup en ce moment. Comme je le disais tout à l'heure, plutôt bien, parce que j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir une maison et du terrain, donc qui est très précieux en ce moment pour pouvoir sortir un petit peu, pour prendre l'air, pour vivre au mieux ce confinement. Donc voilà, je crois que le plus important... Dans tout ça, s'il faut retenir quelque chose, c'est vraiment respecter ce qu'on nous demande, de rester confinés pour que tous ces gens qui œuvrent tout le domaine hospitalier puissent faire du mieux possible pour qu'on se sorte de cette mauvaise période, on va dire. Pour situer un peu ta situation personnelle, avant de donner la parole à toute l'équipe, aujourd'hui, Stéphane Cassard, il fait quoi ? Tu étais entraîneur des gardiens à l'Olympique de Marseille jusqu'à la saison passée, et aujourd'hui ? Oui, j'ai fait donc 5 saisons à l'Olympique de Marseille. Villas-Boas est arrivé, le coach Villas-Boas est arrivé avec tout son staff en début de saison. On n'est pas resté malheureusement, mais voilà, ça fait partie aussi du métier d'entraîneur. Donc, je suis resté pour l'instant sur Marseille et j'espère trouver un nouveau projet pour la saison prochaine. Voilà, avec des gens qui ont envie de travailler avec moi. Tour d'équipe, Monsieur Jacky Duguay-Perrault, j'imagine que ça vous fait très plaisir de revoir vos anciens joueurs. Oui, j'ai beaucoup de plaisir à les revoir et Stéphane en particulier. Je me souviens encore du jour où il est venu, où on l'a accueilli dans les bureaux pour signer le contrat. Hein, tu rappelles, c'était sûrement la belle saison, je me rappelle. Tu étais venu décontracté. Exactement. Voilà. Hein, tu te souviens encore hein, tu vois, il y a des images comme ça qui frappent. D'habitude, les joueurs, ils viennent, ils sont un peu impressionnés et tout. Il est venu décontracté et tout. Donc, voilà, c'est une grande qualité aussi pour un gardien. Non, moi, j'ai un très bon souvenir. Stéphane était venu, on l'a dit un peu off tout à l'heure, comme deuxième gardien. Et puis, les circonstances ont fait que le titulaire s'est blessé, qu'il a joué, qu'il a été très performant. Et les seuls matchs qu'il n'a pas fait après, c'est les matchs de coupe, hein, puisque en général, il y a une tradition qui fait qu'en coupe, c'est le deuxième gardien qui joue. Et Stéphane s'est imposé. Et de quelle manière ? Puisque après, il a fait... à peu près plus de 200 matchs, 250 matchs au Racing, donc il s'est imposé de belle manière et dans la durée. Voilà, c'est certainement de Stéphane depuis que j'étais joueur, parmi les trois meilleurs gardiens que j'ai connus au Racing Club de Strasbourg. C'est un beau coup de pied. Merci, coach. Merci beaucoup.
À l'inverse, on a vu que ça te faisait également très plaisir, Stéphane, de retrouver Jacqueline du Pérou. Oui, parce que comme je le disais, c'est un coach qui m'a fait confiance, parce que c'est vrai que moi, l'année où j'arrive, je venais amener de l'expérience, puisque j'étais quand même un gardien expérimenté, mais j'arrivais pour aider Rémi à aborder sa première saison en Ligue 1 en tant que numéro 1. Et malheureusement pour Rémi, s'est blessé au bout du quatrième match. Et puis, j'ai pris le relais. Et c'est vrai que même quand Rémi a retrouvé toutes ses sensations et son potentiel, le coach m'a fait confiance. Il aurait très bien pu changer, hein, même si j'étais performant. Il m'a laissé dans le but, et puis moi j'ai beaucoup apprécié parce que c'est une grande marque de confiance, et puis après ça aide aussi à être performant, et c'est vrai que cette saison là a été vraiment très très belle. Elle s'est très bien finie, et c'est vrai que quand on arrive à être régulier comme ça sur une saison et performant, c'est toujours valorisant. C'était dur, Jackie, comme choix à faire de conserver Stéphane dans les buts, ou alors ça allait de soi? Ouais, mais ça fait partie du rôle de l'entraîneur, hein. J'ai eu le même cas en national avec Guillaume Gauquelin avec Alexandre Oukidja. Avec Alexandre Oukidja, c'est pareil. La différence entre les deux cas, c'est que il y en a un a été changé à cause d'une blessure, et donc le suppléant a fait ce qu'il fallait pour garder sa place. L'autre cas, c'était pour des performances que je jugeais, moi, un petit peu insuffisantes de la part de là, et l'autre a su aussi saisir sa chance. Je crois qu'au bout d'un moment, je veux dire, l'entraîneur est là pour prendre ses responsabilités. Pour un gardien, c'est plus flagrant, parce que il peut jouer qu'à ce poste-là, alors que pour un joueur de champ, on peut encore trouver d'autres solutions, le faire évoluer à un autre poste. Mais pour le gardien, il n'y a pas... Je veux dire, il faut aller au bout de ses idées et puis essayer de ne pas se tromper, surtout. Tour d'équipe avant de passer aux commentaires des supporters, ils sont nombreux et nombreuses hein, ce soir. Sébastien Jung. Je vais rebondir sur tout ce qu'il a dit. Justement, en 2005, comme Jackie l'a très bien dit, là, quand vous gagnez la Coupe de la Ligue, tu as été remplaçant et Vercoutre jouait. Justement, en tant que joueur, comment on vit? Justement, vous allez en finale, le Stade de France, etc. Et du coup, Jackie, parce qu'on a fait beaucoup le débat entre Camara et Sels l'année dernière. Est-ce qu'à l'époque, il y avait les mêmes débats? Je précise que Jackie voulait estimer que c'était à Mats Sels d'aller au but qu'on mettait le meilleur gardien. Hein, donc, et qu'en 2005, il a mis... Pour rebondir. Très bien rebondir. Vous vous mettez dans la merde, là. Non, mais... La prescription, bon, déjà, le joueur. Comment le joueur le vit, quoi? Après, à vous la parole, coach. À aucun moment, je me suis dit c'est toi qui vas jouer la finale, parce que si j'avais été à la place de Rémi, du moment où le coach m'avait mis pour faire la coupe, moi j'aurais pensé que c'était pour aller jusqu'au bout, et je crois, et si je me trompe pas, je sais pas si Jackie, je crois qu'il l'avait précisé à l'époque, je crois que c'était si Rémi jouait, c'était jusqu'au bout. Je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, moi, je l'avais pris de cette façon-là, en me disant, quoi qu'il arrive, si on va jusqu'au bout, si Rémi doit jouer jusqu'au bout, il jouera jusqu'au bout. Parce que moi, ce qui m'apportait vraiment, c'était de rester performant en championnat, parce que l'objectif, c'était l'objectif numéro un, ça restait le championnat pour se sauver, parce qu'on était en difficulté à un moment donné, et moi surtout pour rester concentré sur mes performances et rester justement très régulier et performant jusqu'à la fin de saison, et je crois que je l'ai très bien vécu, et puis quand on vit une aventure comme ça, il faut rester positif, parce qu'il faut penser groupe, et puis au final ça s'avérait payant, puisqu'on a gagné la coupe. Donc c'est ça le plus important à retenir au bout. Avant de te donner la parole, Julien, je reste juste chez Jackie un instant. Jackie, vous l'avez dit dès le départ, alors que c'était Rémi qui irait au bout. Oui. Même si pour la finale contre Guingamp, j'ai peut-être dit l'inverse, mais il y a 20 ans qui sont passés. Et puis,
Voilà, puis je suis plus entraîneur surtout, donc c'est plus facile à parler et de dire un peu autre chose. C'est vrai. Monsieur Julien Conrad. Moi, je suis flatté de recevoir Stéphane, parce que moi, je suis un ancien gardien. Donc, je fais partie des gens qui arrivaient à la méno très tôt, parce que je voulais toujours voir l'échauffement des gardiens de but. C'était quelque chose qui me passionnait. Et Stéphane fait partie des gardiens qui m'ont marqué. Il y en a trois qui m'ont marqué au Racing. Il y a Joël Cordain-Boeuf qui a joué qu'une saison et dont pas grand monde se souvient peut-être. Il y a Stéphane et il y a Alex Wenzel. Voilà, pour moi, ça fait partie du très grand podium des gardiens du Racing. Quelqu'un de très très fort. Je pense même qu'on aurait pu faire encore, peut-être encore plus fort en termes de club, mais en tout cas c'est un vrai bonheur pour moi de vous avoir en tout cas. Et moi j'avais une question en tant qu'ancien gardien, pour toi le qualité première d'un gardien de but. C'est un coach qui m'avait dit ça. C'est peut-être pas avoir de défauts, parce que je crois qu'aujourd'hui il faut être complet. Hein. Il faut vraiment aujourd'hui, encore plus qu'avant, il faut vraiment être complet, que ça soit pied main. Donc, je crois que c'est encore plus dur aujourd'hui d'être gardien parce que le poste est devenu de plus en plus exigeant. Mais quelque part, ça a son bon côté parce que le poste est plus valorisé. Donc, voilà. Après, sortir une qualité quand on est gardien de première ligue, deuxième ligue, en principe, on a toutes les qualités nécessaires, l'explosivité, la lecture du jeu, voilà. Mais moi, je pense que la grande force, c'est d'être complet, quoi. Avec Jean Yvaud, pas longtemps, j'avais fait une petite interview, donc c'est l'entraîneur des gardiens au Racing Club de Strasbourg, qui nous disait, en France, on avait une longueur d'avance il y a 20 ans en arrière sur l'entraînement des gardiens, mais qu'aujourd'hui, au niveau européen, la France a du retard. Toi qui es entraîneur des gardiens aujourd'hui, alors là, tu n'es plus en poste, mais on rappelle quand même que jusqu'à l'été dernier, tu étais du côté de l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision? Est-ce qu'effectivement, en France, on a un petit peu de retard sur la formation des gardiens? Non, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. On n'est pas du tout en retard. C'est simplement les autres nations qui ont comblé leur retard. Parce que nous, on était en avance, justement, on était en avance sur beaucoup, beaucoup de pays. Moi, je sais que depuis que j'ai commencé au SC Sochaux, quand je suis arrivé à Sochaux, j'avais 12 ans. Donc, ça remonte. J'avais déjà un entraîneur gardien. C'était l'un des seuls clubs, mais moi, j'ai toujours connu un entraîneur gardien spécifique. Donc, ce qui veut dire que moi, je le vois plus comme ça, ce débat, s'il peut y avoir débat. Moi, je pense qu'on était en avance et que simplement, c'est que les autres clubs ont commencé à se mettre aussi dans cette spécificité. Et voilà, donc la preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit encore les gardiens qu'il y a dans notre championnat, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, il y a un très, très bon niveau. Certes, il y a un petit peu plus d'étrangers qu'avant, ça, c'est une évidence. Mais voilà, le niveau est très bon. Bien. Beaucoup, beaucoup de commentaires ce soir pour Stéphane Cassard et c'est Marine qui va en lire quelques-uns. Alors, avant de passer aux commentaires des internautes, moi j'aimerais juste raconter la petite anecdote. En fait, Stéphane, tu as été le premier gardien du Racing. On t'entend très mal, Marine. Ah, alors je ne sais pas comment faire. Vous m'entendez mieux là? Ouais, c'est bon. Stéphane, tu as été le premier gardien de but que j'ai connu dans l'équipe. Puisque tu étais gardien la première année où moi j'ai été abonnée au Racing Club de Strasbourg. Il me semble, si je ne me trompe pas, que ça date de l'année aux environs de 2005. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Alors, on a effectivement énormément de commentaires, des superlatifs voilà, te concernant. On a Patty qui nous dit un de mes gardiens préférés au Racing. On a Quentin qui nous dit top 3 des meilleurs gardiens du Racing, c'est certain. Voilà, on te qualifie de monument. Gaëtan nous dit Cassard, c'était une légende. Voilà, on a énormément de commentaires positifs pour toi et vraiment beaucoup, beaucoup de très bons souvenirs de la part des internautes. Et du coup, j'ai une première question pour toi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand l'équipe de Strasbourg a commencé justement à baisser en fait dans le classement et à tomber dans les années un petit peu compliquées? Est-ce que tu suivais un petit peu le Racing à cette époque? Est-ce que
Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? C'est très, très, très frustrant. Et c'est ce que je disais il y a quelques temps. C'est frustrant parce qu'on se sent impuissant, en fait. On se sent impuissant parce qu'on sait très bien qu'une personne n'arrive pas à régler un problème. Et la dernière année que j'ai fait à Strasbourg, c'est ce que je disais, c'est pas un mauvais souvenir sur un match, c'est un mauvais souvenir sur une saison complète, parce que dès qu'on a commencé la saison, on sentait que il y avait pas de projet, il y avait pas de ligne directrice, et on sentait vraiment que on allait être en grande difficulté. Et c'est ça qui est difficile à combattre, parce qu'on sent qu'on va pas y arriver, et que même en faisant ce qu'on essayait de faire, notre job au quotidien, on n'arrivait pas à se sortir de cette situation. Et ça, c'est très frustrant parce qu'on se sent impuissant quelque part. Stéphane, moi j'ai aussi une question. Est-ce que tu as, au travers des messages, mais j'imagine que ça va bien au-delà, est-ce que tu as conscience vraiment d'avoir laissé cette image de toi en Alsace? Un petit peu quand même, parce que quand j'ai vécu quand même 5 années, et c'est vrai que quand on se déplace, on va un petit peu à droite à gauche, on sent que voilà, les gens sont sympas avec vous, donc quelque part on se dit oui, on a fait le job. Et c'est vrai que moi en tout cas c'est réciproque, parce que c'est un club qui m'a vraiment marqué, et je le dis sans retenue. J'ai été formé au FC Sochaux, mais mon club de cœur restera le Racing, parce que voilà, j'ai vécu, même s'il y a eu des moments difficiles, voilà, ça restera vraiment un moment fort dans ma carrière. Je me suis relancé, comme a dit Jackie, j'ai pu enchaîner les saisons, et voilà, j'ai beaucoup apprécié, au-delà du club, la vie en Alsace. Jackie, Stéphane parlait, il y avait cette première saison qui était fabuleuse, et puis une deuxième qui était beaucoup plus compliquée. Vous voulez nous en parler un petit peu, Jackie? Oui, c'était le manque de stabilité du club, mais on ne va pas revenir là-dessus, puisque aujourd'hui, on démontre que on est capable de faire de la stabilité. Et pour moi, la grande différence et la grande progression après avoir failli mourir, c'est justement, il n'arrive plus aujourd'hui ce qui arrive à l'époque. C'est sûr que quand on fait une bonne saison, plutôt moyenne en championnat en 2004-2005, qu'on gagne la coupe et qu'on a des objectifs plus élevés que ceux de la saison d'avant, et qu'on ne garde pas ses meilleurs joueurs, et je vois pas comment on peut arriver à, je veux dire, on est tous déstabilisés, et l'entraîneur et les joueurs, ils se disent, on nous demande, il y a l'Europe, alors voilà, on a joué l'Europe à fond, on a fait une saison en Europe qui était pas mal, mais au détriment du championnat, parce qu'on n'avait pas l'effectif pour jouer non plus sur les deux tableaux. Voilà, je crois que le club était pas préparé voilà, à jouer dans cette catégorie. Et puis la saison a très mal commencé. Je veux dire, on a commencé contre Auxerre, on fait 0-0. J'ai repensé à ça, parce que Stéphane venait, j'ai repensé à ça. Aujourd'hui, je dois sortir Bastila le premier match. Christian Bastila, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le premier match contre Auxerre, capitaine, je dois le sortir à la mi-temps parce qu'il est hué par les spectateurs et qu'il ne pouvait plus jouer. Vous regardez, il a fait un match cette saison-là. Donc, la saison, elle est partie, elle est mal partie, et c'est enchevêtré. On a eu un joueur suspendu 10 matchs, on a eu plein de choses qui ont fait que, voilà, quand on perd le duo qu'on avait devant, on le remplace pas comme ça. En plus, on l'a remplacé par quelqu'un où on s'est complètement planté. Donc, ce qui fait que, on était moins performant au niveau de la qualité de l'effectif. Et on n'avait pas la quantité pour jouer l'Europe et le championnat, et surtout au niveau de la qualité d'effectif, on n'avait pas le même effectif que la saison d'avant. Moi, je pense que c'est la raison principale, parce que la manière de travailler était la même. Hein, on ne change pas en deux mois. Hein. Stéphane, si tu veux réagir. C'est vraiment très bien résumé, comme l'a dit le coach. Il y avait trop de facteurs comme ça qui ont fait que voilà, pour notre effectif, ça faisait trop. Et malgré tout, on a fait une très belle campagne
européenne. Huitième de finale, hein, de mémoire. Hein. Ouais, on a perdu contre Bâle. Ouais. Et le constat, comme l'a dit le coach, l'attaque de Marseille, 6 mois après, c'était Nyang Pagis, quoi. Donc, c'était quasiment notre attaque un an avant, quoi. Donc, c'était pas possible. Comme, voilà. Avec des ambitions plus importantes, perdre ses meilleurs joueurs. Et surtout, après, se tromper, entre guillemets, sur ceux qui doivent jouer, les remplacer, ça faisait trop, quoi. Bon, avant de faire un petit tour d'équipe, on passe juste chez Marine. Il y avait encore une question de supporter. Oui, il y avait une question de la part de Laurent qui te demande si ça pourrait être un de tes projets de devenir entraîneur de gardien au Racing Club de Strasbourg, si c'est un projet qui pourrait t'intéresser éventuellement. Je ne sais pas si c'est à moi qu'il faut poser la question, mais en tout cas, c'est sûr que je suis attaché à ce club-là. Comme je l'ai dit, moi, du moment où les gens ont envie de travailler avec moi, bien sûr que je serai ouvert à tout projet. Donc, comme je l'ai dit aussi, si ça doit se faire, ça se fera naturellement. Moi, ce que je souhaite, c'est vraiment trouver un projet avec des gens qui ont envie de travailler avec moi. Tour d'équipe, Julien Conrad. J'avais une question sur le déroulement en fait des semaines d'entraînement à ce niveau-là. Moi, j'entraîne à un niveau amateur, mais j'ai un gars qui s'occupe de mes gardiens. Je lui impose rien. Je travaille beaucoup en collaboration avec les gardiens, savoir qu'est-ce qu'on va travailler, mais ça, c'est le monde amateur. Est-ce que c'est toi qui décides de tout? Est-ce que c'est en collaboration avec tes gardiens? Et la deuxième question, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus à Steve Mandanda quand on a comme gardien dans son effet? Non, c'est une très bonne question. Je me souviens d'une phrase d'Alexandre Vincel, avec qui j'étais proche, et il me disait, tu verras Steph, quand tu vas être entraîneur gardien, parce qu'il me disait, tu seras entraîneur gardien. Il sentait que j'aimais ça et que je savais que je voulais faire ça plus tard. Il me disait, tu verras, la grande force d'un entraîneur, c'est l'adaptation. Il me disait, tu penseras à moi plus tard. Et effectivement, on a juste à s'adapter au programme et à ce que veut faire le coach. Donc ça, c'est au quotidien. On échangeait tous les jours en arrivant le matin. Voilà le programme, la veille, le déroulé de la séance. Et puis moi, en fonction du déroulé de la séance, j'avais mon programme de préparer. Et puis je m'adaptais au temps que je pouvais avoir. Ça pouvait être 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure ou 10 minutes, ou avoir 2 gardiens, 3 gardiens. Donc voilà, il faut être capable de s'adapter. Non, on s'adapte par rapport à ce que le coach met en place, quoi. Et par rapport à Steve, on a passé de vraiment de super moments ensemble, même si la dernière saison était plus compliquée. Mais voilà, c'est le bilan, il reste hyper positif. C'est de l'accompagnement au quotidien, beaucoup d'échanges avec Steve. On faisait pas mal de vidéos aussi. Et voilà, c'était vraiment, vraiment beaucoup d'échanges au quotidien. Et puis l'accompagner le mieux possible parce que même si c'est des gens qui ont énormément d'expérience, voilà, ils ont besoin d'échanger. Et c'est vrai que j'avais une relation aussi particulière avec Steve. Donc voilà, on se voit de temps en temps et on échange encore par message. Sébastien Young. En fait, je voulais, avant de poser la question, je vais déjà dire merci à Stéphane, parce que les 3 dernières ou 4 dernières années qu'il a vécu au Racing, c'était quand même des années compliquées. Et il a fait partie de ces joueurs qui nous, à chaque fois, nous donnaient espoir, même si ça s'est mal fini. Tu nous donnais toujours cet espoir que, ouais, il peut encore se passer quelque chose, on peut encore se maintenir, on peut monter en Ligue 1. Le match à Montpellier en 2009, je pense que tu t'en souviens très bien. J'y étais à Montpellier moi-même, donc voilà. Mais tu étais un des joueurs qui nous donnait toujours espoir. Tu es devenu un peu le chouchou dans ces mauvaises périodes, en fin de compte. Et rien que pour ça, déjà, merci, parce qu'il fallait de l'espoir quand ça se passait mal. Comme Jackie l'a dit, quand les années se passent mal, il y a quelque chose qui nous permettait d'y croire. Et d'ailleurs, ça s'est toujours joué à la dernière journée. Donc, la preuve que
Et c'était un espoir jusqu'au bout. Et donc, par rapport à ça, comment on repart d'une année à l'autre quand à chaque fois, en fin d'année, bah, on rate le coche. On tombe, on rate sur le dernier match. Hein. Tu repars chaque année derrière. Ouais, c'est la passion qui vous anime. Hein. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Parce qu'on sait, forcément que dans une carrière linéaire, il y a très peu, voire quasiment pas de joueurs qui connaissent ça. Même les plus grands joueurs, on peut dire Messi, Ronaldo, ils en connaissent peut-être pas aussi longtemps des moments de doute ou de moins bien, mais c'est une carrière linéaire, c'est très très rare. Donc on sait qu'une carrière, c'est de moments forts, de moments plus difficiles. Et moi, ce qui me guide encore aujourd'hui, c'est la passion du foot, c'est la passion du poste, et parce que j'aimais réellement ça, quoi. Donc c'est pour ça que, alors oui, il y a des jours c'était plus compliqué que d'autres, mais comme tu l'as dit, on est à un poste où il faut rester hyper positif, et parce qu'on sait que on est à un poste clé, donc là, en grande partie pourquoi voilà, j'arrivais à repartir, parce que c'est la passion qui vous guide, et j'ai eu cette passion jusqu'au bout, parce que j'ai arrêté ma carrière parce que j'ai eu l'opportunité d'entraîner tout de suite, donc je me suis dit, bon, j'avais 38 ans et demi, si je refais une année, ça va changer quoi dans ma vie? Pas grand chose, donc autant passer à ce que je veux faire. Donc voilà, c'est moi, en tout cas, c'est vraiment cette passion et cet amour de voilà du ballon qui faisait que on pouvait repartir même en cas de période difficile. Après, à Strasbourg, il y avait eu cette victoire en Coupe de la Ligue en 2005. Il y a eu également la remontée en Ligue 1. Hein. Donc, même si ce n'est qu'une remontée, j'imagine que c'est quand même un moment fort. Ouais, un moment très fort, puisqu'en plus, c'était l'avant-dernier match et le derby contre Metz. Ouais, et je me souviens même que la veille de ce match-là, il y avait eu un incident assez important, parce qu'il y avait eu des vols de voitures, donc il y avait eu beaucoup de tensions avant le match, mais il y avait voilà, je me souviens que quand on est monté sur le terrain pour l'échauffement, on sentait qu'on ne pouvait pas perdre ce match-là et que l'issue allait être positive, en tout cas. Mais comme tu l'as dit, ça fait partie des moments très forts. En fait, Jackie, juste pour terminer, vas-y Seb. En fait, est-ce que ces 5 années à Strasbourg, tu as connu le haut, la Coupe d'Europe, les victoires, une remontée, des descentes, est-ce que ça ne te sert pas aujourd'hui justement pour les gardiens, quoi, tout cet ensemble en 5 ans, quoi. Si, on connaît tout, donc c'est une vraie expérience, et c'est vrai que voilà, ça permet de relativiser aussi, mais surtout de savoir qu'il y a des moments forts, il y a des moments moins forts, donc ça aide aussi à relativiser, et puis surtout à se dire qu'une carrière, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera pas linéaire, et même une carrière d'entraîneur numéro 1 qui est encore plus difficile, parce que après le poste de gardien de but, c'est ce qu'il y a de plus dur, entraîneur. Mais non, le coach va me comprendre, mais c'est vrai que tu vois, le métier d'entraîneur, c'est vraiment très 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 dur, vraiment très dur. Mais c'est vrai que c'est toutes ces expériences vous aident, en tout cas pour la suite, ça c'est une évidence. Jackie voulait réagir. Ouais, je voulais dire tout à l'heure que le gardien, c'est un poste particulier. Je veux dire, il faut une force mentale qui est supérieure, je pense, à ceux qui font une grosse boulette. On a vu Mandanda l'a vu, ou des grands gardiens de but, les plus grands gardiens de but ont fait des conneries énormes. Tu dis, mais comment Arconada avec l'Espagne contre la France? Et je pense qu'une des grosses qualités du gardien, c'est justement d'être capable d'avoir un mental très fort et de se remettre très très vite dans le droit chemin. Et de se remettre en question. Je pense que ça fait partie aussi, hein, Stéphane, je pense, de la race des grands gardiens, parce que si tu vis se remettre en question rapidement, si tu vis, tu rates un dégagement,
je veux dire, c'est arrivé aussi. Rappelle-toi, il y a deux buts, mais il y a deux buts, tu as pris que. Tu te rappelles une fois, tu es sorti, je ne sais plus si c'est contre Rennes ou Saint-Etienne, où tu sors très loin du but. C'est contre Rennes à la maison. Voilà, à la Méno, tu te rappelles? Et puis le but où on perd à Bordeaux, où l'arrière droit, il te met un centre au premier poteau du point de corner presque. Tu dis, mais tu peux pas vivre, le match d'après, tu ne peux pas vivre avec ça. Et la force du gardien et l'entraîneur, il sait que ça peut arriver, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Après, si ça arrive à chaque match, ça ne va pas. Mais, la grande qualité pour moi des gardiens, parce que c'est un poste aussi, on dit toujours, pour être gardien, il faut être un peu fêlé pour être gardien. Hein, on dit ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai que c'est un poste aussi où vous prenez beaucoup de risques, hein, quand même. Hein. Par rapport, même si maintenant il y a des joueurs de champ, il y a beaucoup de blessés, mais dans les buts, moi j'aurais pas aimé jouer dans les buts parce que il faut aller à la castagne, il faut être courageux, hein. Il faut avoir des qualités encore supérieures dans certains domaines aux joueurs de champ. Non, mais c'est clair, surtout comme a dit le coach, la remise en question, quoi. Il faut vraiment être capable. C'est aussi comme ça qu'on juge. Un gardien de but, la capacité à gérer l'erreur, hein, parce que l'erreur, tout le monde en fait, tout le monde, les plus grands gardiens en font, il y a que ceux qui sont dans les tribunes qui n'en font pas. On a plein d'exemples, donc c'est vraiment cette capacité à gérer l'erreur, quoi, pour avoir un peu l'attitude qu'on peut avoir après. Avant de passer chez Marine, et quelques questions. Ah, allez-y, Jackie, allez-y. Non, je dis le gardien de l'équipe de France qui fait un dégagement, il rate. En équipe de France, il met la balle dans le milieu et l'autre, il lui met le ballon du milieu du terrain. Pourtant, c'est un bon joueur au pied, c'est un grand gardien. Moi, j'ai entendu parler l'autre jour, justement, un reportage, je ne sais pas si tu l'as vu sur une chaîne de télé. Ouais, plus. Il y avait l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France qui a fait parler dans Mandanda et tout ça. C'était intéressant, tu vois. Et quand tu n'es pas spécialiste du poste, c'était vachement intéressant et les mecs qui ont été interviewés ont bien parlé et fait comprendre justement ce que c'était leur poste. Ouais, c'est un documentaire sur Canal+, c'est une rediff. Ouais. C'est une rediff, ouais. C'est un très beau documentaire sur les gardiens. C'est gardien en cage, je crois, quelque chose. J'ai trouvé ça très très bien et l'entraîneur a été très bien dans son discours. Moi, je l'ai vu ce reportage, je me permets juste d'intervenir et même en ayant été gardien amateur, je me suis totalement retrouvé là-dedans. On a eu des gardiens qui parlaient pour les gardiens en expliquant ce que c'était c'est un poste tellement particulier. Oui, exactement. Tellement critiqué aussi parce que des gardiens, il y en a 65 millions en France. Personne ne se rend compte de ce que c'est tant qu'on n'y était pas. C'est un reportage que je conseille à beaucoup de monde. C'est vraiment un bon reportage. Un super reportage. Stéphane, moi j'avais une question parce que ça fait pas si longtemps que ça que tu as arrêté le football quand même, ça fait 10 ans aujourd'hui. L'évolution du football, de la façon de supporter, parce qu'il y a quand même une sacrée évolution. Quand vous étiez joueur, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, parce que s'il y avait eu les réseaux sociaux, je pense que Stéphane Cassard, il y aurait plus d'un million de followers. Non, mais je le dis de manière très sincère, cette évolution du football en tant qu'entraîneur, tu as 47 ans, comment tu la vis, comment tu l'appréhendes? Au-delà des réseaux sociaux, il y a aussi les télés, hein. Tous les matchs sont filmés. C'est pour ça aussi que c'est encore plus dur aujourd'hui, parce qu'il y a encore plus d'images. J'ai l'impression qu'on est jugé sur chaque ballon qu'on va jouer, sur chaque ballon qu'on va toucher. Donc, il y aura toujours ce côté positif et ce côté négatif. Et après, c'est aux joueurs d'être capable de bien gérer tout ça. Et c'est là où aussi on voit les joueurs qui sont capables de gérer au-delà du foot, les réseaux sociaux, tout ça. Pour moi, il n'y a pas de hasard entre guillemets. Souvent, ceux qui font des grandes carrières, ils maîtrisent le reste, quoi, parce qu'ils ont un entourage. Il y a des exceptions, bien sûr, mais c'est toujours pareil. Il faut être capable aussi d'être bien entouré pour aussi aider et se faire aider pour maîtriser tout ça. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de paramètres, encore plus qu'avant, pour à gérer par rapport au… Il n'y a pas que le terrain, il y a l'après, tout ce qui tourne autour du terrain. Et ça, c'est devenu très important, c'est vrai. Parce que je reste juste chez toi un instant, l'évolution par exemple du public strasbourgeois, tu as connu ce public strasbourgeois très dur, et aujourd'hui,
même quand tu joues le maintien en Ligue 1, que tu te maintiens sur l'avant-dernière journée, c'est plein, c'est tout le temps plein. C'est plein face à Dijon, c'est plein face à Amiens. C'est, sans manquer de respect à ces clubs-là, parce qu'aucun match n'est facile, mais c'est plein tout le temps. J'imagine que toi, et d'ailleurs Jackie le souligne, quand on jouait des matchs de Coupe d'Europe, alors c'était un peu plus vieux, mais face à des Liverpool, tu as 15 000, 16 000 personnes. Face à des Milan, tu as 13 000 personnes. Enfin voilà, c'est quand même dingue. Oui, mais le fait que le club est je crois, connu vraiment le plus difficile, hein, avec la descente, je crois que les gens, ils ont encore plus apprécié. Je pense que ça a joué. Le fait qu'ils aient vraiment connu la souffrance, hein, voilà, je pense que voilà, ils sont revenus encore avec plus de plaisir au stade, et puis voilà, il y a quelque chose qui s'est créé petit à petit, et puis qui est vraiment aujourd'hui, qui est vraiment ancré, et qui fait qu'aujourd'hui on l'appelle le mur bleu, hein, si je dis pas de bêtises, et c'est vrai, c'est que ça. Je pense que ça a joué. Je pense que ça a joué le fait que voilà, il y ait cette grande souffrance par rapport à cette descente, pas aux enfers, mais pas loin. Et voilà, et les gens apprécient encore plus. Et c'est certainement pour ça aussi qu'ils viennent encore plus nombreux au stade. Justement, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à partager l'émission. Marine, tour de réseau. Oui, effectivement, le mur, on l'appelle le mur bleu et blanc. D'ailleurs, il nous manque beaucoup. J'ai deux questions pour toi, Stéphane. Une première question de la part de Romain qui demande, est-ce que tu as eu un gardien qui a été un modèle pour toi pour choisir ce poste, et si oui, lequel ? J'avais pas forcément un modèle de gardien entre guillemets, parce que mon papa était gardien de but en niveau amateur. J'aimais à l'époque beaucoup Gaëtan Huard, mais c'était c'était pas non plus. J'ai jamais été fan d'un gardien ou d'un joueur bien précis. C'est plus le poste que j'appréciais. Ok. Et du coup, deuxième question. Denis aimerait savoir ce que tu penses du travail de Marc Keller fait au Racing depuis ces quelques années. Je pense que je ne dois pas être le seul à le dire, ce qu'il a fait. C'est ce que disait le coach tout à l'heure. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, ils ont vraiment réussi à restructurer, je dirais, le club, à le restabiliser. Et il fallait vraiment beaucoup d'énergie pour repartir, parce que je pense que ça a dû être vraiment très, très dur. Jackie a fait aussi partie de l'aventure. Mais c'est ce que disait Jackie. Voilà, c'est restructurer ce club et le restabiliser. Et je crois que Marc, même si tout le monde connaît la qualité de son travail, il est encore plus mis en valeur aujourd'hui, parce qu'il y a une vraie, vraie, vraie stabilité, quoi. Et je crois que dans le foot, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à trouver, la stabilité. Moi, je l'ai vu à l'Olympique de Marseille, avec cette pression, cette ferveur. C'est très dur de trouver de la stabilité. On sait qu'à Strasbourg, il y a beaucoup d'attentes, il y a une vraie ferveur aussi. Et en tout cas, j'ai vraiment l'impression que la stabilité est là, et je pense que c'est pas fini, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à développer. Et voilà, mais c'est vrai que le travail de Marc et de toute son équipe est remarquable. Petit tour d'équipe, Jackie, vous voulez réagir ? Oui, pour confirmer ce que dit Stéphane, c'est Marc est venu en 2011, je pense. Depuis 2011, ça va faire bientôt 10 ans. Il y a eu trois entraîneurs. Pour moi, le principal dans un club, au-delà de l'effectif des joueurs, c'est la relation qu'il y a entre l'entraîneur et le président. Et si on fait le tour du nombre d'entraîneurs qui sont passés à chaque présidence, voilà, pour moi, tout est dit quand on résume ça. Voilà. Julien, je suis en train de chercher. Moi, j'avais une question. Enfin, j'ai vu passer une question qui ressemblait un petit peu. Moi, à mon petit niveau, j'ai toujours été un peu galvanisé par
par les gens qui traînaient derrière mon but parce que finalement, le poste qui est le plus exposé aux spectateurs, c'est celui de gardien. Puisque tu ne bouges pas, tu es dans tes 16 mètres. Et j'ai toujours rêvé de connaître un peu cette pression quand tu es, je prends maintenant le Vélodrome ou la Méno, peu importe, ces stades qui ont un cop derrière le but. Est-ce que tu t'en es servi? Est-ce que ça te galvanisait? Ou est-ce que tu restais complètement stoïque dans ta bulle et tu ne faisais pas attention à ces choses-là? Bah, c'est mes meilleurs souvenirs hein, d'avoir joué au Vélodrome, au Parc des Princes, dans des super stades, même si au Parc, on est plus loin des tribunes, mais effectivement non c'est vraiment une chose positive. En tout cas moi je m'en suis toujours servi positivement, le fait de jouer soit proche des spectateurs ou avec du monde, c'est quelque chose que j'ai toujours abordé positivement. Moi j'ai le souvenir, je fais une parenthèse, de l'époque où le COP était déjà en tribune ouest, ça a duré une saison, je crois. C'était en ouest basse. Oui. C'était un test qui n'avait pas très bien marché à l'époque, je me souviens. C'est ça. Et je me souviens de Fabien Barthez qui lui rigolait carrément. Il se faisait. Enfin, c'était des insultes, hein, clairement, pendant 90 minutes. Et deux, trois fois, il s'est retourné, il en rigolait, Barthez. Ouais, Fabien avait ce côté très, très détaché. Hein. Il en jouait beaucoup. Hein. Je me souviens même. Bon, c'est une autre anecdote, mais la série des pénalties avec Philippe Bergerot sur le banc de touche, il avait vraiment ce côté très détaché des choses et il le faisait aussi avec le public. Mais en même temps, il était capable de tout de suite switcher pour de nouveau être concentré sur le jeu, quoi. D'ailleurs, Jackie, on sait qu'il y a un discours, enfin que l'entraîneur des gardiens discute avec le gardien pendant l'échauffement. Mais est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous aimiez parler avec le gardien, ou est-ce que les contacts se faisaient surtout la semaine? Comment vous, enfin sur un jour de match, c'était quoi l'idéal avec le gardien? Déjà dans la semaine, Stéphane a bien résumé tout à l'heure. C'est le coach principal qui définit son programme, et après pour le programme de la semaine, je pense, et l'entraîneur des gardiens a. Il y a des fois des séances où moi on prenait jamais les gardiens, ils restaient avec leur entraîneur toute la séance. C'était suivant ce qu'on allait faire. Les gardiens, c'est une famille à part dans une équipe, hein, je pense. Hein, Stéphane, c'est un peu, même s'ils font partie de l'équipe, mais c'est quand même. Moi, je laissais beaucoup de liberté quand j'étais avec Michel Etor, notamment, beaucoup de liberté à l'entraîneur. Après, il faut que ça soit quelqu'un de grande confiance, qui ait une grande confiance dans tout le staff, d'ailleurs, hein, c'est important. Mais je pense que parler au gardien, qui de mieux peut parler au gardien qu'un entraîneur de gardien qui a été un gardien de but de haut niveau. Même si on peut intervenir parfois, je veux dire, mais la majorité du temps, c'est le gardien de but enfin, l'entraîneur des gardiens qui gérait. Hein, je crois que ça devait être comme ça. Hein, je pense que ça se passait. Et puis après, c'est comme l'entraîneur qui décidait qui allait jouer. Bien sûr. Stéphane, hein, tu veux réagir? Ouais, non, il a raison, le coach. Après, il y a aussi il y a des entraîneurs qui communiquent peut-être un petit peu plus avec le gardien. Si c'est le capitaine, je vois Steve était. Quelques saisons à Marseille avec le Brassard, dans d'autres clubs aussi, Hugo Loris en équipe de France. Donc, par rapport à ce statut-là, le coach sera amené aussi à parler un petit peu plus avec lui. Plus aller dans le bureau, le faire. Exactement. Venir. J'ai tel choix à faire, qu'est-ce que tu penses? Parce que souvent avec le capitaine, l'entraîneur parle pour prendre un peu des infos sur ce qui se passe dans le vestiaire, sur ce qui est ressenti par les joueurs. C'est important aussi. Et c'est vrai que si c'est le gardien de but, tu discutes avec le gardien de but. Exactement. On ne te dérange plus très longtemps, Stéphane. Encore 10-12 minutes. On aura un petit quiz sur toi avec Maxime Brenner qui va nous rejoindre dans un instant. Si ça ne te dérange pas, bien évidemment. Hein. Non, je suis très bien, pas de souci. C'est gentil, merci énormément. Seb, tu voulais réagir avant, je t'écoute. Oui, en fait, je réagissais sur les Strasbourg OM. Les Strasbourg OM, ça a toujours été des matchs particuliers à la Méno. Il y a toujours eu un peu une petite guéguerre entre les Strasbourgeois et les Marseillais, parce que bon, Marseille, ça reste quand même un des gros clubs français historiquement. Mais ce que je me souviens, il y a deux saisons,
c'est que tous les Marseillais se sont fait siffler, huer, etc. dès l'entrée au sur les terrains, sauf un qui s'est fait applaudir. Quoi? Donc, en tant que à ce moment-là entraîneur, qu'est-ce que ça fait? Tu reviens parce que le Racing revenait en Ligue 1 et le seul à être applaudi, sans crier, sans parler de l'oiseau et tout ce qui va bien, ce qu'on n'a plus le droit de dire dans le stade, celle qui applaudit ce jour-là, quoi? Bah, c'est bon, je m'y attendais pas forcément, mais c'est vrai que quand on entend son nom comme ça, et il y a des joueurs qui me l'ont fait remarquer, voilà, c'est juste un super cadeau, quoi. C'est vrai que voilà, c'est aussi quelque part pour ça que il y a une relation particulière entre le public et moi. Donc oui, ça fait partie des moments qu'on, voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait ce job-là, même s'il y a des moments plus difficiles. Mais je le disais tout à l'heure, très justement, je crois que voilà, il y a des moments difficiles, des bons moments. Et là, ça fait partie des vraiment des moments qui, voilà, qui marquent. Moi, j'ai une image, Stéphane. C'était le jour du match à Montpellier où le Racing ne remonte pas. Tu étais en pleurs à la fin du match quand tu étais interviewé. C'était une image quand même très forte de toi. C'est quoi? C'était l'accumulation toute la saison, le fait de chuter. Comment tu as vécu ce moment, voilà, vraiment? On sait que c'est que sur toute une saison, jouer le dernier match et puis jouer au dernier match. Voilà, on sait que c'est tout le travail qui part en fumée. Et on avait quand même ce vrai objectif de monter, même si on savait que sur ce dernier match, ça allait être très compliqué parce que vraiment Montpellier, chez lui, était très très difficile à bouger avec une grande force sur les coups de pied arrêtés. On avait vraiment subi. Il y avait une ambiance vraiment de dingue ce jour-là. Et j'en ai parlé il y a quelques temps. Ce jour-là, on a ressenti un peu ce que nous, on avait ressenti quand on avait joué Metz à la Méno. Cette force avec le public, on sentait qu'il pouvait rien nous arriver. Et là, quand on était sur le terrain à Montpellier, on sentait vraiment que ça allait être très, très dur. Donc, c'est vrai qu'après le match, il y a cette énorme déception parce que on a tout donné, on a échoué au dernier moment, quoi. Monsieur Maxime Reiner qui nous a rejoint. Salut, Max. Salut, John. Salut, l'équipe. Salut, Stéphane. Alors, Maxime Reiner, hein, qui joue en DH R1 aujourd'hui, qui nous a préparé un petit quiz spécial, Stéphane Cassard. Effectivement. Bah, alors. À qui vous avez bien révisé? Tu sais que je suis le plus fort. Stéphane, au bout de quelques secondes, tu as le droit de répondre. Hein, n'hésite pas, hein, ne nous laisse pas dans le dur. D'accord. Alors, c'est parti. Première question. Stéphane a joué 213 matchs officiels sous les couleurs du Racing. Mais quel est son nombre de matchs où il a réussi à garder la cage inviolée? Combien de matchs? Attends, je l'avais. Ouais, ok. Allez, si tu pars en pourcentage, toujours. 22. Ouais, un peu plus. Alors, j'irais. Le nombre de matchs. Il a pas faible. J'ai 22. 42. 42 matchs, non? Un peu plus. Allez, 48, je vais dire. J'ai pas encore de réponse des internautes pour ma part pour l'instant. Allez, je vous signale que vous regardez vos téléphones, il y en a qui trichent. Je vois vos yeux là. 89, ouais, je travaille sur mes fiches, Aurélie. Moi, j'ai pas 89, de téléphone. 89. Moins 89. Non, moins 89, c'est pas possible. 89, c'est pour 200 et des bois. Ouais, t'es champion. Ouais. L'autre, il est presque. Bon, ben, Stéphane, une idée? Stéphane, combien t'as pris de buts? Ah, je sais pas du tout. Franchement, en plus, à l'époque, là maintenant, c'est la grande mode, les clean sheets et tout. On n'en parlait pas forcément. C'est vrai. Maintenant, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. C'est pareil, c'est des choses qui ont évolué. Ouais. Avant le clean sheet, on en parlait. 63. Attends, laisse finir. Pardon. Avant le clean sheet, ouais, on n'en parlait quasiment pas. Donc, c'est vrai que. Alors que maintenant, c'est quelque chose qui met vraiment en valeur. Mais je suis vraiment pas d'idée. 45? Ouais, c'est ça. Un peu plus. La bonne réponse, bah, c'est Laurent qui a pratiquement réussi à l'avoir. Donc, c'est 71-11 matchs. 71 matchs avec, effectivement, pas de but. Et, à savoir, alors, stat un peu moins plaisante, hein, mais 248 buts encaissés sous les couleurs du Racing. En 247 matchs.
En 213 matchs. 213 matchs ? Ouais, mais tu comptes pas. Non. Ah non, 247 matchs. 13 matchs officiels. Autant pour moi. Ok. Ok. Suivante. Deuxième question. Stéphane a pu disputer l'UEFA Cup sous les couleurs strasbourgeoises. Citez les quatre équipes qu'il a pu affronter. Ouais, ah, déjà, il y avait Bâle. Il y avait Belgrade. Belgrade. Étoile Rouge Belgrade, ouais. Bâle deux fois. Bâle, oui. Il y avait un pas un club autrichien dedans. Innsbruck. Ouais, c'était ça. On avait mis un 5 ou 6-0 à domicile, je crois. Innsbruck. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Le club de Grasser. De quoi? Le club de Grasser. Autrichien. Ah, oui. Et il reste une équipe. Innsbruck, c'était... Rome. Non, Rome, c'était pas cette année-là. On a joué la Roma, mais c'était pas cette année-là. Avec Ricardo Fati, c'était Ricardo Fati qui avait marqué face à Rome, non? Belaïd qu'on aura jeudi prochain. Grasse. Je me rappelle plus. J'ai un truc. Ouais, j'ai quelques réponses. Il y a des internautes. Belgrade. Ah, une équipe norvégienne, ouais. Imsk. Ouais, je devrais savoir, mais j'ai regardé ça en plus il y a pas longtemps. Ouais, ouais. Tromso. Tromso, mais je l'ai dit. Hein. Ah, tu l'as dit. Bah, ça fait déjà un moment que j'ai dit Tromso. Ah, ok. Désolé. On n'a pas entendu. Personne n'a entendu. C'est Stéphane qui fera le juge arbitre. Je te laisserai regarder la vidéo, tu verras. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas la VAR ici. Hein. Et souvenir justement de cette épopée, Stéphane. Ouais, la Coupe d'Europe, ça forcément marque. Et moi, j'ai un souvenir aussi, puisque j'ai pas pu disputer. Le match c'était contre Bâle parce que j'étais blessé, j'avais une fracture du plancher orbital et je me souviens parce que je l'avais commenté dans les tribunes, donc on avait perdu à la maison et moi j'étais blessé à cette époque-là, donc c'est vrai que c'était pas forcément un très très bon souvenir. C'est vrai. D'ailleurs, je me rappelle aussi une fois, tu étais sorti au stade Vélodrome. Tu avais un 9. Oui. Et c'est Mamadou. C'est avec Mamadou Niang. Je le devance. C'est une sortie au point. Et lui, il vient me taper au niveau de la tempe. Et j'ai perdu connaissance. Mais c'était quand. Marseillais avait applaudi d'ailleurs hein, quand tu es sorti. C'était un signe. Ouais, c'est ça. Troisième question, Max. Alors, troisième question, donc toujours par rapport à l'UEFA Cup. Durant cette campagne européenne, nous avons affronté le club mythique de l'AS Roma de Francesco Totti. Stéphane était par contre sur le banc pour ce match, mais qui était titulaire dans les buts? C'était pas Boni, ça. Bien joué, monsieur Luguet Pérou. Voilà, gardien qui venait aussi de Lyon, comme Rémini Bercoutre. Exactement. Nico. Un gentil garçon, monsieur. Ouais, très gentil, Nico. Ouais, Nico, très bien. D'ailleurs, il est sur Lyon, je crois, et je sais pas s'il travaille pas pour la télé. Si, il est sur OLTV, ouais, c'est ça. Par contre, c'est pas méchant hein, ce que je dis, parce que moi, je suis mal placé pour parler, mais la différence de toi, lui, il a pris un peu de poids. Hein. Ouais. Il avait déjà un petit peu cette tendance, un petit peu Nico. Il avait un petit peu cette tendance à prendre. Et c'est un bon vivant aussi, Nico. Quelqu'un de très gentil, hein, vraiment un bon vivant. On a l'impression que c'est quand même un football il y a longtemps, alors que c'est pas si longtemps que ça. Non, Maxime Brenner. Alors, les dernières questions. Donc, malgré ses 423 matchs disputés en tant que professionnel, soit plus de 38 000 minutes jouées, Stéphane a reçu un seul carton rouge seulement au cours de sa carrière. Et ce fut avec le Racing. Mais contre quelle équipe? Je m'en rappellerai plus. Ah, c'est impossible. C'est impossible. C'est quoi cette question? C'était pas avec moi, je m'en rappelle plus. C'est le seul qui s'en souvient, c'est Stéphane. Ouais, je pense que c'est la réponse. Pas dans un derby? Non. Putain, c'est même pas drôle. Ouais, c'était en Ligue 2. C'est pas trop loin de Strasbourg, hein, si je me trompe pas. C'était quoi? 3? Non. 3? Non. Alors j'ai... Non, pas 3. Amiens? Non plus. Ça commence par un D? Ça commence par un D, un V non comme Victor. Non, un V comme Victor. À l'ancienne.
Van, mais non, on n'a pas joué Van en Ligue 2. Ils étaient en Ligue 2 à l'époque, Van. Oh, je me rappelle plus. Van était en Ligue 2 à l'époque. Ouais, effectivement, c'est pas. Effectivement, c'est pas très loin de Strasbourg, quoi. Un seul carton. Ouais, non, mais après, je pensais que c'était... après, c'est les États-Unis. Après. Je pensais que c'était Dijon en fait au départ. Je pensais que c'était Dijon et non, effectivement, c'était Van. Ouais, c'est beaucoup plus loin quand même. C'est une sortie en dehors, mais qui est vraiment limite. Bon, j'étais en dehors de la surface, mais ça s'est joué à un petit mètre. C'est une sortie limite au niveau de ma surface. Et pas grand Romain chose. Romain Songel a donné la bonne aussi. Réponse, hein. Van. Romain. Ouais, c'était Van. Dernière question. Mais j'avais un doute après. Dernière question, je crois. Dernière question. Alors, Stéphane évolue au Racing pendant 6 saisons et il a connu 6 entraîneurs. Saurez-vous les citer? Oui. Papin. Juste. Purlan. Juste. Duguay Pérou. Duguay Pérou. Ivan. Non, pas Ivan Assek, ça c'était plutôt. Jean Dupeux, non, c'était trop tôt ça. Comboiré hein. Comboiré, ça. Il en reste deux. Jeannin. Furlan. Jeannin. Pascal Jeannin ouais. Et Gilbert Gress. Bien joué, vous avez 6. Bien joué. Bien joué. Je pense que Gilbert Gress, ça restera quand même ton meilleur souvenir d'entraîneur. Désolé. Jackie aussi d'ailleurs, hein, c'est son meilleur souvenir. Hein. Ah oui, j'ai des bons souvenirs. Désolé, ah, je rigole un petit peu. Joueur et comme entraîneur. Ouais. Stéphane, il avait joué le match à Istres. Il avait entraîné. Ah oui, à Istres, t'as joué. Ouais. C'est à Nîmes. Le match était à Nîmes face à Istres. Non, c'était à Istres contre Istres. Donc, il perdit 6-3 en Coupe de la Ligue. Je me souviens, j'y étais. Oui, mais c'est ouais, vrai, c'était pas à Nîmes. Je croyais que c'était au Costières. Non, tu n'as pas joué ce match? Non, c'était à Istres. C'était catastrophique. À Istres, ouais. C'était catastrophique. Ouais. Pour on va pas parler des mauvaises choses, non, mais la petite... c'était catastrophique ce match. Non, mais vraiment, le meilleur, vraiment, en toute sincérité, on oublie que Jackie Duguay-Pérou est là, le meilleur entraîneur que tu aies connu au Racing Club de Strasbourg. Avec Jackie, avec Jackie, en fait, il y avait un mélange avec Jackie, Antoine et Jean-Marc. Jean-Marc voilà. A été énormément décrit en Alsace, mais à ce qui paraît, enfin, de ce que j'entends, c'est un très bon entraîneur. Non, mais sincèrement, le mélange Antoine, Jackie et Jean-Marc, parce que entre les causeries, les séances de match et puis le côté humain, voilà, ces trois personnes, c'est un bon mélange. Très bien. Merci beaucoup. Jackie, vous voulez réagir? Et puis on fait un tour d'équipe avec le mot de la fin. Pardon? Jackie. Vous voulez réagir, Jackie? Non, moi, ça me fait plaisir de revoir des joueurs que j'ai beaucoup appréciés. Et comme joueur et comme homme, hein, je continue à dire que tes invités sont des invités de choix. En tous les cas, ceux avec les émissions auxquelles j'assiste. Et bah, je suis très content. Ce que je souhaite à Steph, c'est de retrouver vite un poste. Je pense que faire ce que tu as fait à Marseille, si tu es resté aussi longtemps là-bas avec un des gardiens de l'équipe de France, c'est que tu as des grandes capacités. Et entraîneur de gardien, il en faut qu'un aussi dans un staff. Et moi, je te souhaite de retrouver vite une place et de montrer tes qualités et pour poursuivre ta carrière d'entraîneur. Voilà, en tous les cas, tu resteras un des. Quand je dis les trois meilleurs gardiens, c'est un quand j'étais joueur, c'est Dominique Grobzin. L'autre, c'est Alex Wenzel. Et le troisième est dans un ordre, peu importe, mais ceux avec qui j'ai eu les plus grandes satisfactions, en tous les cas. Sur le merci terrain beaucoup, et en dehors. Je vraiment. Merci beaucoup. Stéphane, oublie pas le numéro de Mamad. Hein. Ouais, on a géré ça. Stéphane, tu as le droit à un joker. C'est moi qui l'appellerai parce que. Avec grand plaisir. Quand on a joué à Marseille Consola, tu sais qu'il est venu me dire bonjour dans les vestiaires. Oui, vous nous l'avez dit. Ouais, il est venu me dire bonjour dans les vestiaires. Alors j'étais tout seul en train de me concentrer et même si c'est souvent chaud, très chaud avec lui, on avait aussi de très très bons rapports. Stéphane, merci, tu as le droit à un joker. Ah, bon. Jackie, pardon, je vous ai coupé.
Non, j'ai dit merci Stéphane et puis bonne continuation. Voilà. C'est gentil, merci coach, merci beaucoup. Stéphane, donc je me répète, tu as le droit à un joker sur une question. Tu ne me dis aucun nom de club, rien du tout. Mais est-ce que, avant de, dans les dernières semaines, est-ce que tu étais en discussion avec un club pour la suite de ta carrière? Non, non, non. Il y a, pour l'instant, il n'y a rien de concret. J'espère que ça va bouger dans quelques temps. Voilà, c'est vrai qu'on est dans une situation particulière, hein, avec beaucoup d'interrogations sur la fin de cette saison, sur la prochaine saison. Il faudra déjà finir cette saison-là. Mais voilà, aujourd'hui, je crois que c'est pas non plus la grande priorité. Voilà, mais pour l'instant, rien de concret. L'important, c'est d'être en bonne santé. Et puis le reste, moi, je crois toujours à ça. Le reste viendra naturellement. Et comme l'a dit le coach, voilà, le plus important, c'est de trouver un nouveau projet. On fait le mot de la fin. Maxime, qui nous a rejoint vers la fin pour le petit quiz très intéressant, un petit peu difficile par moment, mais très intéressant. Le mot de la fin, Max. Oui, ben, c'est vrai que je n'ai pas forcément pu participer à l'émission, mais ce que je voulais dire par rapport à Stéphane, ben, c'est une légende de plus par rapport au Racing qui est nouveau passé de notre émission. Donc voilà, c'est un réel plaisir. Si on avait dit ça il y a quelques années, de pouvoir discuter avec Stéphane Cassard, enfin voilà, j'aurais pas forcément cru. Donc voilà, c'est vraiment un très grand plaisir. Ça me rajeunit pas non plus parce que c'est quand même mon enfance. Mais voilà, c'était un super gardien. C'est pas forcément mon poste, mais ça resterait un modèle par rapport à ça, comme l'a dit Jackie, parmi les trois plus grands gardiens du Racing, et mine de rien, on en a eu quand même quelques-uns. Donc, ben, merci à Stéphane. Je ne savais pas forcément qu'il était plus en activité. Donc, ben, je lui souhaite de retrouver un boulot le plus rapidement possible. Et merci pour tout ce que tu as pu faire au Racing. Moi, je n'oublie pas tous ces matchs-là. C'est vraiment, vraiment très flatteur. Hein. Merci pour vos commentaires. C'est même un peu trop. Non, mais en tout cas, je prends, j'apprécie. Voilà ce que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé dans mon aventure, c'est cette mentalité alsacienne avec ses vraies valeurs. Donc voilà, c'est réciproque. Donc en tout cas, merci pour ces belles paroles. Sébastien Young. Moi, je l'avais déjà dit avant, je lui dirais tout simplement merci. Et puis pourquoi pas le revoir. De toute façon, il sera toujours bien accueilli, hein, comme il a été accueilli il y a 2 ans et l'année dernière quand il est venu avec l'OM. Donc, tout simplement merci parce que, comme je l'ai dit, ça reste un des joueurs qui est dans les mauvaises périodes. Tout le monde l'a toujours apprécié parce que, bah, comme il avait encore parlé aujourd'hui, tout simplement, il reste simple et puis il donne de l'espoir. Et moi, je lui souhaite de trouver un bon club, voire un très grand club pour la suite. Quoi, simplement. Julien Conrad. Ben, merci aussi, tout simplement, parce que c'est vrai que c'est, comme disait Maxime, c'est. Je te rejoins. Si on m'avait dit qu'un jour je pourrais discuter avec Stéphane Cassard, je pense que je n'aurais pas cru. Et pour ma part, on parlait de modèles. Moi, j'en ai toujours eu deux quand j'étais gamin. C'était Fabien Barthez et Stéphane Cassard. C'était les deux gardiens qui m'ont fait rêver, en fait, quoi. Voilà, c'est un poste particulier. Moi, j'ai connu t'es ça. Gaucher, t'es gaucher? T'es gaucher? Non, je suis pas gaucher. Par contre, j'ai un. Il n'est pas droitier non plus, hein. Mais moi, comme Fabien Barthez, je relance ma droite. Ouais. Non, mais du pied. Non, je suis droitier de la main comme Barthez. Ça y est pas. Hein. Ouais. Voilà. Non, mais en tout cas, merci parce que c'est vrai que ben, c'est important quand on est gamin d'avoir des gardiens qui nous font rêver quand on est gardien soi-même. Et moi, c'était mon cas. C'était vraiment quelque chose que je. Voilà, Stéphane Cassard, c'est la vraie référence. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merde pour la suite. Hein. Le poste de gardien est évolutif et évolue depuis maintenant 20 ou 20 ans. On n'arrête pas de changer. Le poste d'entraîneur de gardien, il doit être magique. Et je pense que, enfin, je ne suis même pas surpris que ça soit ton travail, ouais, ton métier, mais en tout cas, ça va le faire. C'est hyper passionnant parce que c'est vrai, quand on a fait ça depuis toute son enfance, on a envie de pas simplement de redonner ce qu'on a pu vivre. Et puis surtout, je le dis souvent, le poste, je trouve qu'il évolue vraiment positivement, vraiment très positivement, au-delà des règles. De jeu qu'on fait évoluer par rapport à la passe en retrait, qu'on fait évoluer le poste. Je trouve qu'il est plus valorisé dans les équipes, voilà, parce qu'on sait que c'est un poste clé. Et voilà, il est plus médiatisé aussi.
il y a toujours cette, comme je le disais tout à l'heure, cette gestion de l'erreur qui est difficile parce que tout est filmé, tout passe en boucle quand il y a de grosses erreurs. Ouais. Mais moi, je trouve que vraiment les évolutions, elles sont hyper, hyper positives. Mot de la fin chez Marine et les supporters. Ben merci beaucoup Stéphane pour ta disponibilité. Moi, je vais finir par une question qui est posée par Yannick. Quelles sont les qualités fondamentales pour toi d'un gardien moderne actuel ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment être. On parle beaucoup du jeu au pied, ça c'est une certitude, mais il faut vraiment être complet parce que il faut pas oublier non plus que la priorité c'est de pouvoir prendre le moins de buts possible, donc faire les interventions. Cette capacité à être décisif, la gestion de l'erreur, et puis voilà, il faut vraiment être complet, être bon dans quasiment tous les compartiments du jeu. Donc c'est pour ça que le travail aussi de l'entraîneur gardien est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler dans un temps aussi très court, donc c'est pas simple. C'est pour ça qu'il faut être bien organisé pour bien faire son planning de la semaine. Mais voilà, c'est très riche parce que le poste est complet et continue d'évoluer. Donc c'est pour ça aussi que c'est toujours passionnant de pouvoir entraîner parce que ça évolue très bien, je trouve, en tout cas. Tu voulais réagir? Moi, j'avais juste une dernière question. Julien. Ouais, juste une dernière question. À l'époque, on mettait deux hommes au poteau, premier, deuxième. À un moment donné, on a commencé à enlever le deuxième poteau. Et maintenant, j'ai vu qu'en Ligue 1, notamment Mandanda, je crois, mais même plus d'hommes libres au premier poteau sur les corners sortants. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne comprends pas trop l'intérêt. Il y a des gardiens qui veulent pas. Après, ça peut être aussi un choix de gardien, ça peut être un choix de coach, ça peut être un choix des deux. En tout cas, c'est souvent discuté. Michael Landreau a été l'un des premiers gardiens à ne pas mettre du tout de joueurs au poteau. J'entends souvent coach Courbis qui comprend pas qu'on mette pas un joueur au deuxième poteau parce que souvent quand il y a déviation, il y a plus personne, il y a qu'un seul joueur qui peut enlever ce ballon là et dans une saison il y a souvent des buts qui sont marqués comme ça. C'est vraiment un choix qui est après il y a le choix du coach, il y a le choix du gardien. C'est aussi sur les sensations, je dis il y a beaucoup de paramètres qui rentre en jeu. Aujourd'hui, moi, si j'étais encore en activité, j'échangerais avec mon coach pour voir déjà ce que lui il préconise. Et puis après, moi, je donnerais mon ressenti. Mais je pense qu'il y a un vrai échange par rapport à ça. Moi, je pense que tout ce qui est rentrant sortant. Ça demande une approche, une tactique un peu différente. Donc c'est vraiment au niveau des sensations. Il y a des gardiens et des coachs qui réagissent différemment par rapport à ces situations de jeu là. En tous les cas, ça fait débat, ça c'est clair. Ah, ça. Oui, en effet, ça dans le football. Merci énormément Stéphane pour la petite parenthèse. Lorsqu'on a demandé à Stéphane Cassard de participer à l'émission, il n'y a pas eu de peut-être, il n'y a pas eu de on verra. Ça a été un oui immédiat. Donc merci déjà pour ça. Merci pour tout, merci de ta présence. Plus d'une heure à nos côtés. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux supporters? Jacques, vous voulez réagir, c'est ça? Non. Ah, j'ai cru que vous avez levé la main pour comme à l'école. Non. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, merci en tout cas Stéphane et un petit mot pour les supporters. Non, moi, c'est toujours un très grand plaisir de venir partager avec vous et puis parler du Racing, parce que moi, c'est vrai que quand je suis arrivé au club, on m'a tout de suite parlé du Racing. Et c'est vrai que c'est révélateur parce que l'OM, c'est l'OM, le Racing, c'est le Racing. C'est des clubs qui, mine de rien, comptent dans le paysage français et c'est des... Quand on passe par ces clubs-là, on est forcément marqué. Donc voilà, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai une vraie histoire avec le Racing. Et voilà, donc non, moi c'est toujours vraiment un grand plaisir d'échanger et de reparler de mon aventure à Strasbourg. Fin de saison, Thierry Loret a donc prolongé d'une année. Du côté des adjoints, personne n'a prolongé pour le moment, donc il y a des fins de contrat.
à bon entendeur. Merci, merci beaucoup, Stéphane. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée. Demain, c'est Teddy Bertin qui sera l'invité de notre émission, ancien capitaine également du Racing Club de Strasbourg. Bonne soirée et à demain. Merci, un grand merci à vous. À bientôt, ciao. Merci.